5 fées sur Hinata. Dans l'anime, Hinata détient le titre de légendaire reine des goinfres chez Ichiraku Ramen, après avoir atteint le record de 46 bols de ramen en un seul repas. Kishimoto affirma dans une interview en 2010 qu'Hinata serait une plus grande héroïne que Sakura, du fait de son histoire et une enfance plus complexe que cette dernière. D'ailleurs, dans l'omake de l'épisode 165, Sakura l'accuse d'essayer d'usurper sa place d'héroïne principale après avoir vu qu'Hinata était au centre du nouveau générique de fin. Sa coupe de cheveux est très représentative de son évolution dans le manga. Si au début, elle a les cheveux courts avec une coupe ime-cut, qu'on traduit par coupe de princesse, dans la seconde partie, elle se les laisse davantage pousser, représentant une certaine affirmation par rapport à son clan. Le nom de Hinata signifie « lieu ensoleillé », fait assez amusant lorsqu'on sait qu'une des activités favorites de Naruto est d'arroser les plantes, et que le nom d'Imawari, leur fille, signifie « tournesol » en japonais, une plante suivant le soleil toute la journée. Le Juken, ce taijutsu enseigné par et au clan Yuga, existe réellement. Il est inspiré par le Bagazang, un style de combat chinois généralement composé de mouvements circulaires. Donnez-moi en commentaire le prochain personnage.